En devenant papa pour la première fois, le prince Harry a évidemment songé à sa mère, Lady Diana. En 1997, la princesse de Galles décède dans un tragique accident de la route à Paris et laisse derrière elle deux fils, Harry et William. S'il ne peut pas partager l'heureuse nouvelle de la naissance d'Archie le 6 mai avec celle qui lui a donné la vie, le duc de Sussex fait tout ce qui l'aurait rendu fier. Le 9 mai dernier, le prince Harry, âgé de 34 ans, rencontre un certain Dennis Van der Stroom aux Pays-Bas, à l'occasion du lancement des Invictus Games, compétition sportive internationale qui se tient depuis 2014 et dont il est à l'origine du projet. Le vétéran lui relate alors la disparition tragique de sa propre mère en 2014, des suites d'une maladie. Je lui ai parlé de ma mère et nous avons évoqué ce manque laissé par notre mère, a raconté l'homme à People Magazine. Il m'a dit que perdre une mère est comme ne plus se sentir en sécurité, dont on a besoin en tant que fils et comment tout s'effondre quand on perd sa mère. Des drames qui rapprochent et aussi réconfortent le mari de Meghan Markle. Point. Il dit que, quand il entend une histoire comme la mienne, il se sent moins seul, conclut Dennis Van der Stroom.